Bonjour tout le monde, petit changement aujourd'hui, on nous demande souvent également comment remettre à zéro par exemple le témoin de pression de pneus sur certaines voitures. Donc ici on est sur un Audi Q5 de 2016. Donc pour faire la remise à zéro c'est très simple, il va falloir aller dans le menu. Donc on va appuyer sur la touche menu, avec la molette on va tourner pour aller sur car, on appuie sur la molette. Ensuite, ici, on peut choisir les modèles de confort, on s'en fiche. Mais la subtilité, c'est qu'il faut rentrer dans Système Car. Et là, en fait, il faut appuyer sur le bouton qui est ici. Donc, si on appuie, hop. Avec la molette, on choisit là où on veut aller. Donc, on va aller dans Entretien et Contrôle. On appuie dessus. Et ici, on a plusieurs contrôles. Donc, par exemple, on aura pour échéance entretien, pour remettre à zéro la vidange. Le contrôle du châssis, c'est uniquement avec l'ordinateur. Donc pour la pression de pneu, c'est simple. Hop, ici, mémoriser la puissance et la pression de pneu. Hop, on tourne la molette, on appuie dessus. Il faut impérativement que le véhicule soit à l'arrêt. La pression des pneus a été mémorisée et le voyant a disparu. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt avec un petit pouce.